Voyageur héritage LV87GJF. Donc un véhicule de 8,75 m de long. Un intégral avec lit jumeau à l'arrière. Donc je crois que c'est le plus gros véhicule visible ici. Et donc je vais aller voir à quoi il ressemble. C'est le plus gros véhicule. Alors, surporteur Mercedes. Alors, voyageur 8.7, il fait 8,75 de long en fait. C'est du poids lourd évidemment. Hein. J'ai vu un voyageur en 6,85 m qui était peut-être encore du 3,5 tonnes, mais sinon, les autres sont plus lourds quoi. Alors, ce véhicule, salon, superbe salon, je vais le faire vite. Hein. Lit pavillon au-dessus de la cabine. Les rangements, j'en ai déjà vu. Ils sont sympas. Hein. Ici, rangement au-dessus de la cabine. Au-dessus de la cabine, au-dessus de la cuisine. Donc un rangement partitionné. Donc une belle cuisine. Belle cuisine de feu. Un évier. Ici, des tiroirs. Range couvert. Ici, rien parce que c'est l'évier. Ici, je sais pas ce que c'est que ce truc pour ranger des trucs sans que ça bouge. Ici, un grand casserolier, enfin, je ne sais. Il y a ici aussi du rangement là. Donc une belle cuisine. Les panneaux de contrôle sont, je ne sais pas où ils sont. Donc sur l'entrée, il y a une télé, il y a une poignée de préhension. Donc derrière, il y a un réfrigérateur domestique. Avec un freezer, je vais pas ouvrir le truc parce qu'il m'a l'air d'être un peu... Non, c'est bon. Je pensais qu'il était pété. Des rangements ici, au-dessus. Des rangements à côté. Alors ça, c'est sympa. Hein. Il y en a deux comme ça, apparemment. Si, donc si je t'ai... Ah, je sais pas, peut-être pas ouvert comme il fallait. T'es déjà ouvert. Ça donne ça, là, c'est sympa, hein, ces rangements. On peut mettre plein de choses. Je fais un film. À une vidéo. Alors ici, salle de bain. Donc elle n'est pas fermée comme sur le modèle précédent que j'avais vu. Ici, la salle de bain est ouverte et c'est très sympa. Bon, 8,70 m, 8,75 m. On comprend qu'il y a la place. Hein. Donc ici, on peut fermer l'espace. L'espace jour, l'espace nuit et salle de bain. Là, c'est sympa. Hein. Ça donne un... Donc, il y a ici le toilette tout seul, avec des glaces et des rangements au-dessus. Hein. Donc, on voit ce que ça donne, là. Et... Voilà, c'est sympa. Hein. Ici, douche. Alors, on est comme à la maison, là. On est dans une maison, là. Et ici, donc, il y a rangement et puis des miroirs et puis des LED. La douche ici, belle taille. Hein. On peut admirer, hein, c'est superbe. Hein. Oups. Et à l'arrière, hein, chambre avec lit jumeau, confortable. On peut presque tenir debout, un petit 1,80 m à peu près. Des rangements, toujours les mêmes. Hein. Et ici la salle de bain qui est devant, là c'est superbe. Hein. C'est superbe, superbe. Et donc, comme il y a double plancher, vous allez voir ici les réserves d'eau grise et eau noire, eau propre. Eau grise, eau propre. Et ici, sur le double plancher, il doit y avoir un rangement. Voilà. Accès au rangement. Donc, very, very big véhicule, big price, big confort. Alors, on peut avoir plein d'options, hein. C'est sympa. Plein d'options, plein d'options.
Donc je vais juste faire quelques photos encore et je me sauve.